Avec plaisir. Dans la continuité du cours de la semaine dernière, je vous ai interpellé sur le mot liberté, sur le mot pédagogie. Je suis certaine que chacun y a répondu à sa façon pendant la semaine. Et j'ai pensé, avec Géraldine en tout cas, qu'il était agréable pour nous aujourd'hui, carrément, de suivre le texte que les rabbins de la Haggadah ont choisi pour résumer ces différentes questions de la Torah, qui étaient posées par Dieu lui-même, on peut dire, puisque c'était à chaque fois tu diras. Et ces questions posées, et aussi des questions qui n'étaient pas posées, et les rabbins sauront en filigrane nous y faire penser. Quand je dis les rabbins de la Haggadah, ceux qui ont écrit la Haggadah de Pessah, puisqu'il y a deux mots, nous avons parfois on a vraiment leur nom, parfois c'est un collectif, et on sait qu'il y a toute une période où, lorsque le temple a été détruit et où les Juifs donc se sont retrouvés à Jérusalem devant les ruines, il a fallu choisir comment fêter Pessah, sans temple, sans sacrifice, et donc les paroles ont remplacé les sacrifices. Ces paroles, c'était des échanges pour essayer de faire comprendre à chacun, tu es aujourd'hui non seulement le descendant de celui qui est sorti d'Égypte, mais tu es le représentant de son expérience. N'est-ce pas cette fameuse phrase, chacun doit faire comme s'il était lui-même sorti d'Égypte. Alors ce texte-là, que Géraldine a eu la gentillesse de préparer, commence de la façon suivante. Je ne sais pas si vous voulez le montrer ou si les participants l'ont. Voilà. Haggadah shel Pessah. Vous voyez, on est en retard, on fête Pessah en retard. Vous voyez, alors, le soir de Pâques, on a tout un rythme. On va le faire dérouler, on allume les bougies, on est heureux comme de renouveler cet engagement, voyez, de renouveler cet engagement qui est ce que je disais, être les représentants et les passeurs. En hébreu, passeur se dit ivri. La langue hébreu, la langue hébraïque est la langue du passage. N'est-ce pas? Alors, si vous voulez continuer, on va dérouler le plus rapidement possible. Pour arriver, voilà, nous avons la table du Seder. Voilà, nous accueillons par le Kiddush, c'est-à-dire on va sanctifier le jour. On continue. Et puis, le soir, voilà, ça c'est encore le Kiddush. Et puis, le soir de Pâques, voilà, on va s'arrêter une seconde. Le soir de Pâques, de Pessah, il y a une particularité. C'est que le repas que nous allons avoir, il est construit comme un véritable spectacle, avec un prologue, une scène, deux scènes, trois scènes, un acte, deux actes. Et vous voyez, à chaque fois, on nous dit ce que l'on fait. Et les matzot, le récit. Voilà. Là, alors si vous voyez le mot magid, regardez bien, magid, c'est le récit. Vous avez entendu le mot agada. C'est le verbe qui est le verbe, en français on dit raconter, mais c'est un verbe qui, Haggadah, qui sous-entend cette lecture de l'histoire. Une Haggadah, ce n'est pas toujours un raisonnement, c'est un récit, mais il faut absolument que nous trouvions le sens. Ce n'est pas uniquement une petite histoire, c'est au contraire la grande histoire. Ensuite, on présente les matzot. Que fait-on en fait le soir de Pessah? On se remet dans la situation des enfants d'Israël avec un certain nombre d'actes, d'actions. À l'époque, nous sommes sortis et nous avons dit, ceux qui ont choisi de sortir, c'était notre discussion de l'autre fois, ceux qui ont choisi de sortir participent à la nuit de Pessah, il n'y a plus de questions. Les Itmamea n'ont pas dit ma, ils ne posent plus de questions. Au contraire, il y a une accélération à tel point que le pain, la matza, la pâte n'a pas levé.
C'est bien une preuve, on la mange. C'est donc qu'il y a une accélération vers la liberté. Donc, on a des gestes. Là, ceux qui connaissent Pessard, qui connaissent la Haggadah, savent que nous avons des gestes qui sont mangés, s'intégrer, intégrer à soi un morceau d'herbe amère, quelque chose comme si « ochel » en hébreu, le verbe, vous le connaissez, c'est « manger », la racine, c'est « kol ». C'est ce qui est extérieur me devient intérieur. C'est donc bien le thème de participer. Voilà la différence entre une réflexion sur la liberté qui se ferait en conférence, où nous n'aurions qu'un livre ou des livres, et une réflexion sur la liberté le soir de Pessah, où il y a tout un rituel. Et vous avez vu cette phrase qui est la dernière en haut, « Cette année esclave, l'an prochain libre ». On va s'arrêter une seconde sur ce mot-là. Vous vous souvenez, l'autre fois, j'avais dit « on a du mal à trouver le mot liberté ». Il apparaît très doucement, il surgit lentement. Et dans le Chumash, dans les cinq livres de la Torah, on n'a absolument pas le mot « chérout », qui est le mot « liberté ». Par contre, dans le Chumash, on avait le mot « chofshi », « chofesh ». C'est une liberté, on va dire, sociale, économique. Alors que le soir de Pessah, on dira « Ashana, cette année esclave, Ashana avdé, Ashata avdé », on parle en araméen, la langue parlée, et là vous avez vu l'an prochain, libre. Shana Abba, l'an prochain, Bene Chorin. C'était ce mot dont je vous avais parlé, et je vous ai dit, fils de, en acquisition de, en construction de. Ben en hébreu, c'est à la fois la racine, le radical, comprendre, et avine, et en même temps construire, bonnet. Donc, comprendre, ce cheminement, chorin, c'est le mot araméen, aujourd'hui, dans la littérature israélienne, dans la littérature hébraïque, dans les littératures classiques, c'est le mot chérout. Et nous allons voir qu'on est là, on vous marque ensuite le plus jeune des assistants chante. Qu'est-ce que ça veut dire le plus jeune des assistants? Ça veut dire qu'il faut absolument que tout le monde participe. Le vieux, le vieillard, ça fait plusieurs années qu'il récite le texte. Il l'a acquis. Le plus jeune, ça veut dire qu'il faut qu'on entende sa façon de poser les questions. Et il faut qu'on l'entende. Il chante, il récite. Et quand vous dites « ma nishtana » en hébreu, ça veut dire « en quoi est différent ?» « Ma », c'est mal traduit. Si je dis « en quoi est différent », j'ai mal traduit. « Ma », c'est quoi ? Qu'est-ce que ce « quoi » qui diffère des autres ? Nuit. Et vous avez vu, je fais une remarque sur le mot « ma », qui est la question classique, « quoi ?» Pourquoi ? Parce que dans la nuit de Pessah, au moment de la sortie d'Égypte, j'aime cette remarque qui est « les enfants d'Israël n'ont pas tardé », en français on dit, et en hébreu on dit « le it ma mea ». Et moi je traduis, ils n'ont pas posé de questions. Vous voyez, le ma, or c'est ça qui permet d'avancer. Ma, première étape, deuxième étape, mi. Quoi ? Qui ? Quand je sais, quand je connais l'idée, ma personnalité change. Une idée, une deuxième idée. Et vous avez un joli tableau, vous avez même des vitraux, on avance. C'est marrant parce que les gravures qu'il y a dans ce livre sont à la fois modernes et anciennes. Vous avez remarqué ? Donc, vous avez ici quatre questions. Ce n'est pas le sujet de ce soir. Ce sont des questions sur le déroulement de l'histoire, du Pessah. Vous avez entendu le chiffre que j'ai prononcé ? Quatre. Nous avons, au moment de la sortie d'Égypte, pour les enfants d'Israël qui avaient été esclaves, nous avons une première découverte. Le Dieu d'Israël, qui nous avait peut-être gardé en mémoire, petit à petit, il va devenir, comment dirais-je, réel, j'aime pas le mot réel parce que ça ne va pas, il va être perçu par eux. Et les quatre lettres du tétragramme, Adonai, les quatre lettres,
vont devenir efficientes, puisque c'est la dimension d'un Dieu protecteur qui agit avec eux, qui agit avec bonté, alors que le Dieu créateur de l'univers, Elohim, agissait avec rigueur. La rigueur, ils viennent de la payer, 210 ans de séjour en Égypte. La rigueur s'arrête un instant, la bonté commence. Et le soir de Pâques, nous vivons sur un scénario construit sur le chiffre 4. 4 questions. Vous allez avoir un peu plus loin, 4, quand vous aurez fini Pessah, 4 coupes de vin, 4 lettres du nom de Dieu, et nous aurons, écoutez-le bien, c'est ce que nous allons voir bientôt, voilà, 4 mots, 4 verbes. Écoutez bien le mot, c'est un enseignement du Talmud qui le donne. Arba, Leshonot, il y a 4 mots pour annoncer la liberté. 4 niveaux de libération. Et nous allons les voir dans le texte suivant, puisqu'on va nous parler des questions des enfants. 4 niveaux de libération, je vous les redonne, parce que ça vaut la peine de les avoir en mémoire. Et pour vous bien montrer que dès le début, la pédagogie de la libération est proposée par le texte de la Torah lui-même. Dieu dit à Moïse, va sortir les enfants d'Israël d'Égypte, c'est dans le début de l'Exode, car moi Dieu, le verbe est à la première personne, ve'otseti, je les ferai sortir, Ve'itsalti, je les sauverai. Ve'ga'alti, voilà un nouveau mot qu'on n'a pas encore vu, qui est le mot ge'oula, qui est le terme employé de plus en plus pour une libération plus que physique. Rerout, ce sera sur terre. Ge'oula, on engrange toute une réflexion déjà sur les temps messianiques, sur l'au-delà, sur une libération spirituelle, comme ils disent tous, libération spirituelle, dans lequel l'esprit est appelé. Sortir, être sauvé quand on est rattrapé sur la mer Rouge, être vraiment libéré, Géoula, nous recevons les lois au pied du mont Sinaï. Et peut-être que vous vous souvenez, j'avais commencé mon cours la semaine dernière en vous disant que la première apparition de ce thème de libération était sous-entendue dans le Midrash. On nous disait les tables de la loi étaient gravées et on nous demandait de lire non pas « charout » gravé, mais « cherout » proposition de liberté. Un cheminement dans lequel ce n'est pas un enfermement, mais au contraire, une préparation vers un chemin qui va vers quelque part. Et le quatrième verbe, c'est « velakarti ». Dieu dit « je vous prends comme peuple et vous me prenez comme Dieu ». En d'autres termes, aujourd'hui, on dit l'alliance. Et ces 4 verbes sont considérés comme les 4 niveaux de libération. Vous entendez le cheminement ? 4 niveaux de libération. Chacun de nous, lorsque tu te rappelles le jour de ta sortie d'Égypte, tous les jours de ta vie, doit refaire ce cheminement. Et ce rabbin qui discute très joliment, tous les jours de ta vie, ce n'est pas seulement les jours et les nuits, mais ça inclut, regardez, tous les jours de ta vie, kol yemei chayecha, kol, ça ajoute, quand tu dis les jours de ta vie, ça va, c'est bon, c'est depuis ta naissance à ta mort. En rajoutant le mot « col » tous les jours de ta vie, ça veut dire que ce récit sera dit, il inclut aussi, moi je n'aurais pas dit « à l'époque messianique », mais « vers l'époque messianique ». Je crois que ça serait plus juste d'aller en direction. Et puis voilà, maintenant, si vous voulez bien, ce fameux texte qui devrait tout résumer, puisque nous sommes, le soir de Pessah, nous sommes tous des enfants. Vous avez rappelé tout à l'heure, Bené Chorim, fils de la liberté. Enfant, c'est-à-dire un être en construction. Il y a deux mots en hébreu pour dire enfant. Il y a plusieurs mots en hébreu pour dire enfant, comme en français d'ailleurs.
dans toutes les langues. Et à chaque fois, il y a une notion. En hébreu, on a Tinok, c'est celui qui tète encore le sein de sa mère. Ensuite, on a Yeled. Dans Yeled, il y a l'idée qu'il est né, Nolad. Et ensuite, il y a le mot Nar, qui est l'éveil. Et puis, la Haggadah, elle choisit un autre mot. Elle choisit Banim. Ceux d'entre vous qui ont l'hébreu, vous verrez, c'est marqué que Neged Arba Banim. Alors, les filles, on peut râler, on peut dire alors, elle est fille là-dedans, mais vous savez bien que tous les textes de la Torah et la majorité des textes, jusqu'à l'écriture inclusive d'aujourd'hui, sont masculins dans la tradition juive. Mais cette idée Banim, ce sont les êtres. Les Banim, ceux qui. C'est même étonnant, c'est une toute petite parenthèse qui n'a peut-être pas à faire avec notre sujet, peut-être quand même. Dans la sortie d'Égypte, on dit que les femmes ont un mérite particulier, puisqu'elles ont été les premières à résister, la mère et la sœur de Moïse. Elles ont été les premières à vouloir maintenir la vie. Et en hébreu, c'est assez remarquable. Mais dans beaucoup de langues, c'est comme ça aussi. Normalement, vous avez un mot, un masculin et un féminin. On va prendre un exemple, maître, maîtresse. D'accord ? Policier, policière. D'accord ? On peut prendre le féminin. Pour hommes et femmes, vous avez ish et isha. Les pluriels sont tout à fait différents. Pour bien montrer que l'un n'est pas le pluriel de l'autre, comme l'un n'est pas le féminin de l'autre. Ce sont des êtres différents. Et bien pour les enfants, c'est la même chose. Écoutez bien. Vous dites un fils, ben. Pluriel, banim. Vous connaissez suffisamment l'hébreu pour savoir que normalement, quand on a un mot masculin, on met un a et on a un féminin. Mais ce n'est pas benin, pas du tout. Au féminin pluriel, on a banot, benot, régulier. Mais au féminin singulier, on a un mot qui est bat. Construit sur tout à fait une autre notion. Le ben, il est dans la construction. Vous vous rappelez tout à l'heure ce que j'ai dit ? La compréhension. Bat, c'est plutôt bait. C'est plutôt la maison. C'est plutôt le cœur. Vous voyez, ça sera plutôt, non pas le cœur intérieur, mais le quorum, c'est ça que je voulais dire. Quelque chose qui inclut. Et le texte de la Haggadah reste au masculin. Sauf une fois que nous allons rencontrer, il y a une très jolie allusion à cette idée que dans la pédagogie, père, mère, homme, femme, fils, fille, sont à égalité. Dans la transmission. Et nous allons le voir si vous voulez bien. Alors, les gravures sont très mignonnes. Alors voilà, les gravures. Imaginez le monsieur qui a dessiné, comment il imagine quatre, le texte nous dit quatre enfants. Le texte biblique dit Arba Banim. D'ailleurs, Rashi, quand il citera la Mechilta, où le texte est proposé la première fois, on verra bien le terme banim. Alors regardons un instant ces gravures parce qu'elles valent la peine. On fait semblant de ne pas savoir qui c'est. Alors on commence à droite, un monsieur qui est en prière, on voit bien le talit. D'accord ? À la gauche, celui de droite est vraiment en prière, on voit son livre. Il est en prière, il est face à. Il y a même un Magen David derrière lui. Celui de l'extrême gauche. Enfin, droite et gauche, mais c'est inversé pour vous et moi. Mais vous le remarquez, il porte un Sefer Torah. Il est plutôt du Moyen-Âge. Hein, vous avez remarqué, il a les petites chaussures avec les petits talons. Il porte un très beau Sefer Torah. Et il a aussi un talit. Alors, celui de 1 est en prière. Et un livre. L'autre a la Torah. Vous allez voir, on va se servir de tout ça pour commenter le texte. Lire la Torah. Alors, il y en a un qui a l'air un peu sévère quand même. Il a rien à l'extérieur de lui-même. Il a la cravate, il a le chapeau.
Il a l'air sûr de lui. C'est ce qu'on dirait, sûr et dominateur. Sûr de lui. Et l'autre, alors, l'autre, le fait qu'il soit comme un petit clown, quand même, il y a un petit côté clown, hein, vous serez d'accord avec moi, Géraldine, il y a un petit côté clown, et il y a la fleur, et ça me fait penser au mime Marceau. Mime, c'est-à-dire qu'il y a un silence. Ok ? Je n'avais pas vu les gravures, je les vois maintenant avec vous. Parce que je les avais pas, j'avais regardé, mais pas aussi près. Alors, vous avez vu, on va pouvoir tout de suite dire de quel est qui. On lit le texte ensemble. Regardez. Baruch Hamakom, Baruchu, Baruch Shenatan Torah, les Amo Israël, Baruchu. Si je n'ai que ce texte-là, je ne comprends pas pourquoi on parle de quatre fils. C'est une prière, une phrase. Béni soit celui qui. Et on peut remarquer, Hamakom, c'est le nom de Dieu omniprésent. Makom, c'est un endroit dont la présence est sur l'ensemble. Il y a un texte qui dit Nimekomo, il a la présence. Baruchou, béni lui, il, c'est l'être, l'essence. Baruch Shenatan Torah, les Amo Israël. Ah, on ne me parle pas de sortie d'Égypte ici. On me parle d'un événement qui s'est passé 50 jours plus tard, 50e jour après la sortie d'Égypte, le don de la Torah au peuple d'Israël. Et vous avez remarqué, les Amo Israël, à son peuple Israël. C'est-à-dire ce peuple qui a accepté non seulement de sortir, reprend le thème de la dernière fois, il est sorti, vous vous rappelez le texte de Rashi, pour avoir le mérite, en sachant aussi ce qui avait été annoncé précédemment, sur cette montagne, je vous donnerai la Torah. Il est sorti vers. Il était donc d'accord, il y a plein de Midrashim qui explique que la Torah précède au monde et qu'on attend ceux qui sont capables et qui ont envie de la recevoir pour ne pas la perdre d'ailleurs. Baruch. Voilà. Donc cette idée, en analysant de très près ce texte, vous remarquez Baruch Shenatan Torah. Là, c'est un préalable. C'est comme un préalable. Pour qu'il y ait une pédagogie, pour qu'il y ait un certain nombre de personnes assis à table, le soir de Pessah, priant, réfléchissant, étudiant et transmettant le récit de la sortie d'Égypte, il faut bien qu'il y ait ce préalable. J'ai reçu, je transmets. Vous vous souvenez le préalable? Zechut Israël, chez Yetzé Mimitzrayim, c'est l'un des mérites d'Israël. Il avait bien montré qu'il sortirait d'Égypte. Aré Atidin, les Kabel et Tator. En effet, ils sont, j'aime pas le mot programmé, mais presque, Atid, c'est le futur. Ils ont dans leur futur cette capacité à recevoir la Torah. On continue. Voilà, alors si vous continuez, voilà. Point. Et ce passage-là, nous le retrouvons. Donc, nous l'avons ici imprimé dans la Haggadah. Les textes de la Haggadah complets, on va les avoir, ils vont être... Il commence à l'époque de la Mishnah, il se développe à l'époque du Talmud, et on les aura ensuite, comment dirais-je, non pas imprimés, mais d'abord recopiés, copiés, séparément, et puis ensuite imprimés. Et le texte dit « Keneged arba'a banim dibera Torah ». Si vous ouvrez votre Chumash, votre Torah, si vous regardez Rashi, à un moment donné, Rashi va reprendre cela et va dire, ce n'est pas moi qui l'invente, ce sont les rabbins du Talmud, dans la Gemara Pesachim, où ils réfléchissent et ils disent qu'il y a des catégories de personnes. Regardez les catégories. Banim, 4. Naturellement, puisqu'on est parti sur le principe que la Haggadah est construite sur les 4 lettres du nom de Dieu. Dibra Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Neged.
En français, ils ont traduit la Torah parle de quatre enfants. Vous êtes d'accord avec moi? Mais ils ont laissé tomber le premier des mots. Je vais vous traduire, je vais vous le signaler mot à mot. Arba, c'est quatre. Fils, la Torah parle. Que Neged? Neged, c'est face. Que Neged? Comme face. Est-ce que c'est en opposition? Naturellement pas. Keneged, ça veut dire le langage que la Torah propose doit pouvoir s'orienter et atterrir et aboutir dans quatre directions différentes. Les versets de la Torah doivent être compris, vous avez vu la pédagogie? Ils doivent être compris par celui qui est Echad, Chacham. Celui-là, on l'a tout de suite catalogué, on l'appelle un sage. Vous connaissez sûrement le mot chorma, c'est la sagesse. C'est l'une des qualités qui est du ciel vers la terre, la chorma. Echad racha, c'est un mot dur. Chacham, c'est le sage, ce n'est pas l'intelligent. Hein? Chacham, c'est le sage, c'est-à-dire celui qui est capable de recevoir. Racha, c'est un mot très dur. Il est employé pour quelqu'un qui sort des clous. Le rachat, c'est celui qui dit « je sors des clous ». Echad tam, n'oubliez pas, nous sommes ici dans des catégories qui se veulent à la fois intellectuelles et à la fois de comportement. Rachat, il y a les deux, hein, comportement. Tam, le mot tam, vous connaissez peut-être, il y a des gens qui s'appellent Temim, tam, c'est à la fois l'intégrité, quelque chose qui est complet, tam. Dans la Torah, le mot revient plusieurs fois. Et par exemple, quand on dit le texte est terminé, on dit ad tumam, complet, il ne manque rien. Et le dernier, chez Eno Yodea Lishol. Vous savez qu'il n'y a pas de verbe en hébreu, le verbe être. Mais on a une possibilité, quand on traduit ne pas être, prendre le mot en, aïn, qui est le ne pas, c'est le néant, et il n'est pas en train de savoir questionner. Vous voyez, ce chez, c'est que, mais eno, c'est je ne pas, tu ne pas, il ne pas. Alors, vous avez un, c'est facile, racham, un rachat, un tam. Mais c'était très étonnant, la Torah parle, la Torah propose, la Torah évoque des personnages, des fils, des êtres qui sont en capacité de recevoir, et l'un d'eux, il ne s'est pas posé de questions. Donc ça veut dire qu'on n'a pas entendu sa voix. Comment va-t-on l'imaginer? Et ils sont là. Le rédacteur de la Haggadah a choisi un ordre. Vous avez remarqué, ce n'est pas du meilleur au plus bon ou du meilleur au moins bon, pas du tout. Il choisit son ordre. Cet ordre, finalement, c'est tout simplement, et vous allez voir, il n'a même pas suivi l'ordre de la Torah. Parce que c'est. Avec la feuille que vous avez devant vous, la citation Deutéronome 6,20, la citation d'après, c'est Exode. Le Deutéronome vient après l'Exode. Vous voyez, le choix a été fait. On dit d'ailleurs qu'il n'y a ni début ni fin dans la Torah. Il n'y a pas l'ordre chronologique pour les histoires, mais. C'est pas comme ça qu'on ne construit pas de cette façon-là. Je peux très bien justifier un verset de Genèse par un verset de Devarim, j'ai absolument le droit. Mais c'est intéressant de voir comment les rabbins, ils prennent le livre de droite à gauche, de gauche à droite, et ils trouvent là où ils savent trouver les paroles qui ont été prononcées en l'année de la sortie d'Égypte, et comment au moment où ils rédigent la Haggadah, ces paroles sont encore actuelles. Sinon, ils ne les citeraient pas. Sinon, ils inventeraient des questions. Prenez un exemple, vous tous les participants.
Imaginez que vous avez vos petits-enfants ou vos élèves devant vous. Vous préparez votre cours et vous vous dites, tiens, quel genre de questions va me poser? Alors, X, le fort en thème, il va certainement me poser une question. L'autre va faire semblant de s'intéresser, il va me poser une question. Et vous imaginez, vous vous dites, ah, tiens, dans la classe, il y en a qui n'ouvriront pas le bec. Donc, les rabbins auraient pu imaginer. Non, ils n'imaginent pas. Ils reprennent justement, c'est ça qui est intéressant, ces fameuses questions dont je vous avais parlé l'autre fois, on les voit ici. Ce sont des questions qui, à la limite, sont posées par celui qui nous a fait sortir d'Égypte, puisqu'ils sont écrits dans le Chumash. Alors, première question. Ma haedot va chukim va mishpatim asher tziva Hashem Elohenu etrem. Donc, dans le Deutéronome, le texte commence de la façon suivante. Lorsque ton fils te demandera demain, vous avez entendu? Ki nishalcha bincha machar. Demain, ton fils te demandera. Machar. Vous avez vu machar? C'est un texte qui date de l'année 2448. Il est repris dans 2000 ans plus tard. Et il nous convient à nous. Il nous convient. Et c'était là que Rashi avait dit très joliment Yesh machar, sheu achar zman. Il y a un demain qui est après le temps. C'est-à-dire, il n'y a pas de décalage. Il y a justement une expérience qui entraîne une autre, qui entraîne une autre et qui va vers le futur. Alors, c'est une réflexion permanente dans le vécu juif. Quelles sont lois? Alors, Edot, ce sont les lois. Chukim et Mishpatim, ce sont trois mots qui, effectivement, ne sont pas tout à fait pareils, puisque l'une, c'est les témoignages. L'autre, c'est les statuts, et le troisième, c'est les lois. C'est-à-dire, tout ce qui concerne Pessah, témoignage, c'est-à-dire, ça évoque quoi? Comment le fait-on? Le culte par rapport à Dieu et le culte par rapport aux hommes. Puisque maintenant, si vous voulez, comme nous ne faisons plus de sacrifices, nous partageons la ficomane. Nous sommes assis ensemble à la table du Seder. Il y a des rites. Donc, si vous voulez, vous avez toute une législation. Et la question, c'était, quand ton fils te demandera demain, ta-ti-ta-ta-ta-ta-ta, Asher Siva Hashem, que Dieu a ordonné, regardez bien, Elohenu, notre Dieu, Etrem, vous. On n'est pas du tout fâché avec celui-là. Il pose bien la question, notre Dieu. Ce n'est pas une question qu'il pose méchamment. Il se sent tout à fait concerné par Elohenu. J'ai accepté. C'est mon Dieu. C'est ma Torah. Et c'est pour ça que le texte commençait comme ça. Rappelez, Baruch et Nathan, on se demandait pourquoi ça commence comme ça. Pourquoi évoquer le don de la Torah? Eh bien, évoquer le don de la Torah, c'est évoquer cette idée que nous sommes, d'une génération à l'autre, témoins et passeurs de la notion de révélation. Et voilà le Chacham. Elohenu, c'est notre Dieu, Etrem, vous, votre génération des pères. Pour qu'il y ait une pédagogie valable, tous ceux qui enseignent le savent, il faut que les générations restent bien séparées, qu'on sache qui est avant, qui est après. Le maître, l'élève, le père, le fils. Parce que ça garde, vous voyez, le rythme de la chronologie. Un vrai enseignement. Sinon, si on est, vous voyez, si on est je, tu, pareil, ça s'appelle une chavruta. C'est une étude qui s'appelle chavruta. Deux personnes de la même catégorie ou du même âge ou de la même qualité, on va dire, étudient ensemble. Ils découvrent le texte ensemble. Ils se répondent l'un à l'autre. Alors qu'ici, on a besoin du récit du passé pour transmettre à l'avenir. Donc, il se sent concerné, Elohenu,
Mais il dit, moi, je n'étais pas là au pied du mont Sinaï. Papa, qu'est-ce que tu as reçu de cela? Qu'est-ce que tu as reçu de ton père, qui a reçu de ton père? Et qu'est-ce que tu as entendu au pied du mont Sinaï? Ou qu'est-ce que tu as entendu sur les bords du Nil? Et à ce moment-là, on va lui répondre. Franchement, vous avez vu toutes les questions? Vous pouvez lui envoyer 30 feuilles photocopiées, là. Les lois, les questions, il y a tout, les passages entiers. Qu'est-ce qui est cachère, qu'est-ce qui n'est pas cachère, qu'est-ce qui est Pessah, qu'est-ce qui est... Vous savez à quel point préparer Pessah est un travail compliqué, ne serait-ce que pour la ménagère. Il faut enlever toute trace de pain levé. Et la réponse, on a l'impression qu'elle est comme ça, dans les airs. Tu lui donneras toutes les mitzvot. Il me manque un petit passage là. Je le donne. Voilà. Afata, c'est ça qui me manquait. Afata, en hébreu, c'est très bien. Afata, c'est et toi aussi. Vous voyez, Afata, toi aussi. Lui, il a posé les questions. Eh bien, toi aussi. Tu lui donneras toutes les lois de Pessah. Donc, allez, des cours et des cours et des cours et des cours. Et en particulier, alors vous vous attendez à on ne mange pas de pain levé à Pessah. Ça, c'est le truc la plus classique. Si vous ne connaissez rien du judaïsme et vous vous trouvez dans une ville où c'est la fête de Pâques, vous savez, vous voyez bien que les boulangeries sont fermées. On ne mange pas de pain levé à Pessah. C'est la première des choses. Eh bien non, on va répondre sur un tout à fait un autre sujet. Regardez bien. Et en particulier, le soir de Pâques, après l'agneau pascal, je vous le dis en hébreu, parce que c'est joli, « En maftirin achar pessah », après l'agneau pascal, après le rituel, « On ne prend rien à fikoman ». On ne mange rien après « afikoman », c'est un mot grec, « afikoman ». Comme le sacrifice ne peut plus être fait, on va jouer un petit jeu très simple. On va prendre un morceau de matzah. On va le mettre en bouche à la fin du repas. Et on terminera avec, et après cela, gare à nous de manger quoi que ce soit. Il faut qu'on s'endorme avec le goût de la ficomane. C'est-à-dire qu'il faut qu'on termine, on commence Pessah en se rappelant tout, et on termine avec le goût, la signification, le sens, l'impression. N'est-ce pas, qu'est-ce que c'est un morceau de matzah dans la bouche? C'est une impression. Comprendre la différence entre levé et pas levé. Comprendre la différence entre un pain qui a levé avec toute l'œuvre humaine et une accélération de dernière minute, une pâte qui n'a pas levé et qui est cuite au soleil de la liberté. Donc vous avez vu, la réponse, elle est bien claire, elle est bien réfléchie. À celui qui s'habille, il ne faut surtout pas qu'il se perde dans les détails. N'est-ce pas? Il était prêt à passer son diplôme de supérieur avec toutes les lois de Pessah. Pas du tout. Rappelle-toi. En maftirin achara Pessah afikoman. Il est important de comprendre ce que c'est que cette notion. Tu crois qu'on peut remplacer la liberté? Et c'est là-dessus que tu vas t'endormir sur cette question. Et tu vas commencer à compter les jours. 1, puis 2, puis 3, puis 4. Au même moment, tu auras compté jusqu'au moment où tu arriveras au pied du mont Sinaï pour recevoir la Torah. C'est une autre afikomane à ce moment-là. Parce que c'est une liberté de la parole. Entendre, comprendre. Et puis, donc, a priori, le père, l'enfant, la personne qui discute est content. Et je ne sais pas si vous savez, mais je vais me permettre de vous le dire, parmi toutes les fêtes juives du calendrier, celle où nous avons vraiment l'obligation, un mois auparavant, de recommencer à étudier les lois, c'est pour Pessah. Rosh Hashanah, on prépare facilement. Toutes les fêtes, on étudie. Mais Pessah, à ce point, c'est important, vous voyez le thème, l'organisation de l'être, la préparation, que les Shabbatos qui viennent avant, il y a toute une... Il faut réétudier ce qu'on sait déjà, mais à chaque fois, on vous rajoute quelque chose de plus. Donc,
Il a choisi sa réponse, mais je crois que vous connaissez assez le texte de la Torah. Si vous cherchez dans tout le texte de la Torah, vous ne trouverez pas cette réponse. En maftirin achara pesach afikoman. Dans tout le texte de la Torah, vous ne trouverez même pas le mot afikoman. Je viens de vous dire que c'est un mot grec qui date de l'époque du deuxième siècle. Enlever la nappe. Mon mari me souffle là. Enlever la nappe comme si le repas était terminé Et et rassasié. on est rassasié. On est repu de quelque chose. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir, vous vous souvenez le début, Baruch Shenatan Torah? N'est-ce pas que nous avons la Torah écrite et la Torah orale? Torah Shebirtav, la question est dans la Torah Shebirtav, elle est dans la Torah écrite, elle est dans le Deutéronome. Mais la réponse, elle est dans la Gemara, dans la Mishnah, dans la Torah orale. L'acquisition de la liberté, c'est au-delà de la lettre que je vois, vous rappelez le Harout, au-delà de la lettre gravée, écrite, préparée, c'est le souffle qui me permet d'aller plus loin et de faire qu'à cette génération, puisque le temple n'existe plus, on est peut-être en deuil du temple, mais on n'est pas en deuil de la liberté. On la prépare autrement. Il y a d'ailleurs, c'est amusant parce que si quelqu'un d'entre vous a assisté à un séder, au début, sûrement, tout est très organisé, la nappe, les plateaux, il y a un très joli, comment dirais-je, sachet dans lequel on met les matzot, tout est très joliment. Puis ensuite, tout à coup, on mange. Donc le repas, on mange les bonnes choses, fais attention. Un repas de fête. Et puis on s'arrête. Et de nouveau, alors qu'on est vraiment rassasié, que la maman a fait des bons plats, on mange un morceau de ce afikoman, de cette matza qu'on avait gardée depuis le début. Mais cette idée, c'était avant, c'est resté sous la nappe, et ça sera le demain. Et tu termines là-dessus. Mais tu ne termines pas. La Torah orale, c'est ça, tout l'enseignement. Un jour, Rashi viendra, lira ce verset et le commentera. Et c'est ça l'idée de Ilchot HaPessach. Si vous voyez le petit morceau en hébreu, voilà, Ilchot HaPessach, les lois de Pessach. Il Halacha est un mot de la Torah orale. Alors, nous allons voir si vous voulez bien, si vous êtes d'accord pour me suivre. J'imagine les parents, on essaye de jouer le jeu, on imagine les parents assis à la table du Seder, heureux d'avoir un enfant qui pose si bien des bonnes questions. Et la chance veut que le papa sache répondre. Vous allez voir le deuxième. Oubliez le mot méchant, faites-moi plaisir. Voilà. On oublie le mot méchant. D'abord parce qu'il est venu, il a honoré son papa et sa maman, il est à la table du Seder. Racha Mahomer. Une question simple, sans introduction, sans hein? Ma avoda azot lachem. Et les rabbins vont s'accrocher sur le dernier des mots, alors que cette phrase existe, vous voyez, Exode 12, 26. Si vous avez le souvenir de la sortie d'Égypte, cette phrase est prononcée avant même qu'on soit sorti. Puisque la description de la sortie réelle, c'est la fin du chapitre 12 et le début du chapitre 13. Il pose la question, en français c'est joliment traduit, quelle signification a pour vous cette cérémonie? Je vais le traduire moins joliment, en mot à mot, vous allez comprendre pourquoi les rabbins ont rajouté le mot rachat. Ma, quoi, à Avoda, quel est ce culte à Avoda Azot? Cette œuvre, cette action, l'achem. Il est présent au Seder, mais il n'a pas dit notre Dieu, comme l'autre. Il n'a pas dit nous. Un travail pour vous. C'est pour ça que l'interprétation est très bonne. Quelle signification a pour vous? Quand, à quel moment cette phrase a été prononcée? Eh bien, vous avez vu ce que je vous disais tout à l'heure, Shemot 12, 26, on est au moment de la sortie d'Égypte, Dieu
Préviens Moshe, va, dis-leur de s'organiser, mais sache qu'un jour viendra où tout ceci paraîtra étonnant peut-être pour certains. Donc, toi, Moïse, agis maintenant de sorte que les enfants d'Israël, quand ils sortent d'Égypte, non seulement leur action, mais leur pensée, qu'ils la mémorisent bien pour pouvoir ensuite répondre à la génération suivante. Les rabbins sont méchants avec celui-là. Ils disent, il a dit « Lachem velolo », en hébreu ça donne ça, « Lachem velolo », il a dit « vous et pas lui », c'est donc qu'il s'est sorti de la collectivité. Vous savez que dans toutes les traditions, religieuses ou non religieuses, c'est pareil. Quelqu'un qui choisit de sortir de la collectivité, c'est qu'il dit « ça m'est pesant ». Et souvent il dit « je veux recommencer à partir de moi-même une nouvelle idée ». C'est une inquiétude. Il ne s'agit pas de ne pas réfléchir par soi-même. Ça, on a tout à fait le droit. Exemple premier. Il avait dit « etrem », vous rappelez ? Le premier, il avait dit « vous », COD. Qu'est-ce que c'est que ce travail pour vous ? Et là, en hébreu, c'était « etrem ». Les hébraïsants reconnaissent la formule « et », COD direct. Alors que « lachem », c'est un CO indirect. Il y a un éloignement. Donc, peut-être en plus, nous lisons, et comme je vous ai dit, c'est comme une pièce de théâtre, peut-être a-t-il ajouté le ton. Et dans le ton, il a dû bien montrer que quelque chose lui déplaît. Le mot est en hébreu. Comment faire? Il est là. Il faut bien lui répondre. Il faut montrer qu'on est capable de lui répondre. Et la réponse, elle est très simple. Il a dit pour vous et non pour lui, il s'exclut de la communauté, il nie l'essentiel. Vous savez que dans la tradition d'Israël, la collectivité d'Israël est comme garante de du thème de la révélation, d'un Dieu révélé. C'est pourquoi on nous dit ici, il nie l'essentiel. En hébreu, on dit « kafar baïkar ». Vous connaissez le mot « kofer ». Le « kofer », c'est celui qui renégare en français. Réponse, toi aussi, puisqu'il t'a agacé, eh ben, agace-lui les dents. Qu'est-ce que ça veut dire, agace-lui les dents? Et réponds-lui, c'est dans ce dessein que l'Éternel a agi en ma faveur quand je suis sorti d'Égypte. La réponse, vous avez vu, Exode 12, Exode 13. La réponse est dans la même paracha. C'est-à-dire que c'était bien clair, que quelqu'un demanderait « qu'est-ce que c'est ça ?» en bon français ou en mauvais français, et puis en bon hébreu ou en mauvais hébreu, et on lui répondra. Voilà. Tout cela, sache que lorsque moi je suis sorti d'Égypte, je n'étais pas seul à faire l'effort de sortir d'Égypte. J'ai été conduit, tiré, emmené, à la fois par Moïse, et surtout par Dieu lui-même. Vous savez, on fait la remarque que dans le soir de Pessah, le nom de Moïse n'est à peine prononcé. Et on nous montre bien que c'est ce soir-là où on nous demande de réfléchir à l'intervention divine. Si vous regardez tout le calendrier de nos fêtes, c'est surtout le soir de Pessah où on parle de l'intervention de Dieu. Intervention de Dieu, on a vu l'autre fois qu'elle peut être violente, qu'elle peut être dure, les Égyptiens meurent, les enfants d'Israël meurent aussi. Une intervention difficile, mais intervention. Et on en a vraiment, c'est pas création ici, vous voyez, parce que nous avons je pense que dans les cours de théologie ou de pensée juive, on étudie cela, cette notion juive d'un Dieu créateur, et d'un Dieu qui intervient dans l'histoire. Le Dieu créateur Elohim, le Dieu Elohim Adonai, qui intervient dans l'histoire, c'est le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Donc ce petit garçon-là, il n'a pas compris très bien de quoi il s'agit, et on lui dit, écoute,
si moi je n'étais pas sortie, tu ne serais pas là. Et si tu avais réagi comme ça en Égypte, peut-être que tu ne serais pas sortie, parce que tu ne serais pas sentie concernée par la collectivité. Même si je suis un petit peu en retard dans mon développement, je serais quand même de prendre une minute. Il y a quelque chose de très très joli. On dit « Ake et chinav », « Agace-lui les dents ». Qu'est-ce que c'est que cette formule un peu étonnante? Alors en hébreu, il y a un joli mot. Les dents se disent chêne. Shinaim. C'est le dessin d'ailleurs. Écoutez bien, parmi les verbes dont on a besoin pour l'enseignement, vous dites dans le premier paragraphe du schéma, dans Devarim, Ve shinantam levanecha. Tu les enseigneras à tes fils. Vous avez entendu la racine? Mishnah, Shanun. Cette idée qu'un mot qui sort de la bouche, les dents le coupent et il s'en va sa vie à Ketchina. C'est-à-dire, fais-lui comprendre qu'il doit trouver d'autres mots et une autre façon d'étudier pour réintégrer. Le suivant, très facile. Si vous regardez le suivant, alors imaginez que nous sommes à la table du Seder et que ces quatre fils soient là. Une fois que le Chacham a parlé, une fois que le Racha a parlé, le troisième, il doit avoir un petit peu... Il faut qu'il dise quelque chose, mais il ne faut, aussi... faut pas qu'il dise des bêtises. Il ne faut pas qu'il énerve, il faut dire quand même quelque chose. Mais l'autre a tellement posé des questions intéressantes. Celui-là a posé la question sur la relation entre les individus par rapport à la sortie d'Égypte, la collectivité d'Israël. Regardez bien, au fur et à mesure, on avance. Là, on a parlé de la collectivité. Il n'y a pas de liberté individuelle proposée à la sortie d'Égypte. C'est une liberté collective. Tam, celui le suivant, on l'appelle le Tam. Il est tout simple, il est intègre et il pose une question très simple, Mazot. Et ce n'est pas du tout une bêtise, ce n'est pas du tout simple, puisque c'est dans l'Exode, chapitre 13, verset 14. Dieu avait dit, un jour vous sortirez d'Égypte et, regardez la phrase, quand tes enfants te demanderont, Mazot, qu'est-ce que cela? Eh bien, tu leur répondras, c'est avec une main forte que Dieu nous a sortis d'Égypte. C'est avec un bras étendu que Dieu nous a sortis d'Égypte. À une question qui a l'air d'une simplicité absolue, la liberté ne se gagne pas de façon facile. Il n'y a pas de mazot, ce n'est pas immédiat. C'est un cheminement dans lequel il y a à la fois la main forte, la violence, le bras étendu, la protection. Et si vous avez par hasard le texte en hébreu, je vais vous le dire, parce que je veux que vous remarquiez quelque chose. À celui-là, on répond, écoutez bien, c'est le premier des commandements. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte d'une maison d'esclavage. C'est-à-dire la question la plus simple, vous avez la réponse la plus grande. L'intervention divine, la description de ce qu'était l'Égypte, Bet Avadim. L'Égypte, c'était le lieu où les humains étaient esclaves. À tel point que le pharaon lui-même, dans les dernières minutes de sa vie, n'était plus libre, puisque son cœur s'était endurci et qu'il va aller jusqu'au bout de son aveuglement en disant non, 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 non. Il n'est pas libre. Non, 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 non. Et il en mourra. Et là aussi, le texte nous disait, quand vous le regardez, puisque vous avez la réponse, la référence, quand ton fils te demandera demain, un vrai dialogue s'est engagé. Avec sincérité, le tam, c'est pour ça qu'on l'appelle tam, parce que dans le mot tam, il y a une dimension de sincérité, d'intégrité. Et le dernier, Sheno Yodea Lishol. Celui-là, je l'aime bien. Ah, ça a sauté. Voilà. Quant à celui qui ne sait pas, travaux.
En hébreu, on dit She'eno yodea lishol. On est toujours au masculin. Il ne s'est pas posé de questions. Joli questionnaire. Alors, on lui dit, regardez, je vais vous le dire en hébreu parce que la traduction française, vraiment, c'est très joli. Mais en hébreu, vous avez la différence. En français, lorsque vous conjuguez un verbe, vous n'avez de différence que pour le pronom personnel il ou elle. Vous dites, par exemple, je dis, tu dis, il dit, elle dit. Il n'y a pas de différence dans le présent, ni dans le passé, ni dans le futur. Dans la conjugaison, vous avez six personnes. La seule chose que vous faites, c'est une différenciation entre le pronom personnel, il, elle, masculin, singulier et pluriel. En hébreu, vous avez des verbes qui se conjuguent masculin et féminin. Alors, regardez bien. Et c'est ça que je trouve ça très intéressant sur le plan de l'expérience de la liberté. Un être humain, quand il s'analyse, quand il se regarde, première question, d'où je viens? Alors, il regarde, mon père, ma mère, mon géniteur, ma génitrice, mon éducateur, mon éducatrice. Celui-là, il ne s'est pas encore posé de questions. Il est à la table du Seder. Et le texte nous dit, vous entendez, She'eno yodea lishol, écoutez bien, at petar lo. Je répète en hébreu, at c'est toi au féminin. Deuxième personne du féminin en hébreu. Petar, c'est un verbe à l'impératif au masculin. Alors, toi, si je traduis, toi tu lui ouvriras. Ouvrira la bouche. Parce qu'il lui dit, tu l'enseigneras à tes fils. Et tu diras, voilà tout ce que nous a fait pour sortir d'Égypte. N'oublions pas que nous parlons pédagogie ici. Nous parlons éducation. De quoi s'agit-il? Alors j'aime bien faire la remarque justement sur le masculin et sur le féminin. Est-ce que vous n'avez pas l'impression comme moi? Depuis 2000 ans, ou même 500 ans, que les agadotes sont imprimées, on n'aurait pas laissé passer une erreur. Malheureusement, dans quelques agadotes imprimées en Israël, aujourd'hui, on a voulu corriger pour garder l'hébreu. Parce qu'on doit dire « ata petar » ou « at pitri ». Et moi, je dis non, ce n'est pas une erreur. C'est le rôle de la mère et le rôle du père. La mère commence. C'est une magnifique leçon de l'apprentissage. Toi, éveille sa question. Pétard, ouvre sa bouche. Le rôle de la mère pour éveiller, le rôle du père pour répondre. Et le père répondra en donnant un objectif. Parce qu'en hébreu, en ma faveur, en hébreu, on dit bavour. Vous vous rappelez la première traduction que j'avais donnée? Au vert, celui qui passe, celui qui va au-delà, l'hébreu, celui qui sait choisir l'orientation. Abraham a été le premier hébreu, puis il a choisi sa voie. Et à cet enfant, on répond, ou à cet adulte qui ne s'est pas encore posé de questions, je suis sorti car déjà Dieu avait imaginé que tout un peuple, des parents, des enfants, des enseignants, des élèves, des questions et des réponses existeraient, ba'avourze, dans ce dessein. C'est quoi le dessein? C'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est effectivement une acquisition de la liberté, une réflexion, une éducation, un enseignement. Mais je dois avouer que si je suis sortie d'Égypte, et tu dis à l'enfant qui n'a pas posé de questions encore, moi je suis sortie d'Égypte avec l'aide de Dieu et peut-être pour la réponse que tu entendras lorsque tu apprendras vraiment à formuler ta question. Dès les premiers versets qui avaient été cités, vous avez remarqué que l'annonce de la libération était prolongée par les questions que le texte de la Torah nous proposait.
le Père, dans les 4 cas, a parlé de la présence divine. Il a employé le mot avoda, service. Il a employé le mot toi, moi. Il y a comme un déroulement, si vous voulez, du récit pendant cette histoire des 4 fils qui nous permet de comprendre ce que voulaient les rédacteurs de la Haggadah. Et Rashi, à un moment donné, à propos du verset 14 du chapitre 13, dira très très bien: sache, vous l'avez là, c'est bien, alors très joli, lorsque ton fils t'interrogera, il existe un demain qui est immédiat et un demain qui est lointain, comme celui-ci. Et puis il nous donne 2 autres exemples. Vous connaissez la méthode de Rashi. Pour confirmer ses analyses, il trouve toujours un autre endroit dans la Bible où on a le même style de formulation et où nous pouvons avoir le même raisonnement. Mais ce que j'aime, c'est la suite. Qu'est-ce que cela? C'est l'enfant simple qui est incapable de poser une question élaborée et qui reste dans le vague. Un autre enfant demandera ailleurs: quels sont les témoignages et les statuts et les ordonnances? C'est la question de l'enfant intelligent. La Torah, Rashi cite la Mechilta, la Torah emploie le langage de chacune des catégories d'enfants, le simple, le méchant, celui qui ne sait pas poser de questions et celui qui interroge intelligemment. Il a repris ici le début du texte, mais si vous regardez bien, il les a mis dans un autre ordre. Mon ordre à moi, le premier, c'était Chacham, le plus, on a l'air de dire le plus, mais ce n'est pas vrai. Chacham, intelligent, le méchant, on va garder les titres. Le simple et celui qui ne posait pas de questions. Et regardez, l'ordre est différent. Il marche au contraire dans l'autre sens. Comme si vous avez, dans un autre sens, tout à fait, à nous de réfléchir. Le simple, finalement, c'est le simple fidèle, c'est chacun de nous. Tout le monde doit pouvoir quand même arriver à poser la question: qu'est-ce que c'est? Ensuite, qu'est-ce que c'est pour vous? C'est logique de poser cette question. J'avais quelqu'un qui me disait tout le temps: ce rachat, il n'est pas si rachat que ça, parce qu'il est encore à la table du Seder. On ne l'a pas perdu. Celui qui ne sait pas poser de questions, il entend. Et celui qui interroge intelligemment, ça peut continuer des pages. Tout ce qui est blanc, dans ce que Géraldine nous montre gentiment, des générations de Rashi l'ont rempli. Puis que chaque, vous n'avez qu'à feuilleter des agadotes. Nous avons une agada avec les commentaires de Rashi, nous avons des commentaires. Dans ma bibliothèque derrière, ou plutôt dans la bibliothèque de mon mari derrière, j'ai une agada en hébreu sur laquelle il y a marqué tout simplement avec 248 commentaires. Pas mal, hein? On a du travail. Ça veut dire que cette notion de Pessah a vraiment, envahi la réflexion d'Israël en permanence, puisque nous savons que d'une génération à l'autre, nous sommes là en train de sortir, être sauvés, être libérés, être face à Dieu, et puis des exils et des éloignements et des retours. Et petit à petit, nous avons comme ça une construction de la pédagogie d'Israël qui développe le thème de la chérout, la liberté, chanfèche, ce mot que je vous ai dit qui est dans la Torah, et un autre mot un peu plus important qui est geoula, c'est une libération beaucoup plus importante, différente, qui fait intervenir, on va dire, les temps futurs. Alors, pour terminer mon commentaire, je voudrais terminer sur un enseignement qui serait un joli résumé. 4 fils à la table,
Alors, à la table de qui? Eh bien, on peut imaginer quatre fils à la table d'Abraham, patriarche. Le premier, Isaac, Yitzhak. Il est vraiment le Raham d'une certaine façon. C'est le sage qui va être dans la lignée du père et qui va construire la lignée d'Israël. Son frère, Ishmaël, si vous lisez tout le texte de Bereshit, à aucun moment vous n'entendez de parole de lui. Ismaël ne parle pas. La seule chose qu'on a de lui, ce sont des larmes. Il pleure et Agar saura lui donner à boire. Une autre dimension. Le rachat, les commentateurs se sont fait un plaisir de dire que c'était Ésav. Pourquoi? Parce que Ésav, Ésaü, a choisi, après la mort d'Abraham, une autre voie. Une voie dans laquelle on pouvait tuer, on pouvait voler, on pouvait désobéir, comment j'ai dit tout à l'heure, sortir des clous. Il a choisi une autre voie. En hébreu, on dit Yatsal et Tarboutra, une autre culture, une autre orientation. Et le quatrième, le Tam, eh bien vous avez dans le texte de la Torah, lorsqu'on nous présente Esav et Yaakov, le texte nous dit de Yaakov, Ish Tam Yoshev Oalim. Et vous avez ici la plus belle possibilité de pédagogie qui est un homme, Yoshev Oalim, qui est assis dans des tentes. Alors je pose la question, est-ce qu'on peut être assis dans plusieurs tentes à la fois? Oui, dans le cas de Yaakov. Parce qu'il a su étudier de son père, chez son père, Yitzhak, le monde de la rigueur. Il a su étudier chez son grand-père, Abraham. C'est le monde de l'ouverture, du chesed. Et c'est lui qui a fondé le peuple d'Israël, dont nous sommes les héritiers. Et Manitou, Rav Léon Ashkenazi, faisait justement remarquer que avec ce texte des quatre fils de la Haggadah, il en manque un. C'est celui qui n'est plus présent. C'est moi ça. J'ai entendu Manitou. Et mon mari aime le dire souvent parce que, il est dans son commentaire là, aime le dire souvent parce que c'est l'inquiétude finalement vis-à-vis de la suite. Celui qui ne vient plus. Alors, est-ce que c'est à nous de le rechercher? Est-ce que c'est ça la vraie liberté? Être capable de chercher celui qui n'est plus présent. Voilà, ben, merci beaucoup.